Salut les gens! Bonjour! Alors, je suis en compagnie de Jojo aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour, point Godwin, c'est fait! Salut, le Peña! Ça y est, on la garde pour intro celle-là, c'est fait! Voilà, bon. Babouchko! Et bonjour à tous et à toutes, c'est Cubacraft en compagnie de Jojo pour une petite partie multi sur Dragon Ball Xenoverse. Yeah! Alors, on est chaud patate, on est enfin là, on est enfin tous les deux! Et pour commencer, on va faire un petit combat avec le responsable, qui ressemble beaucoup à Tenchina. Ou à Krillin, d'une certaine manière. Ou à Krillin. Un mec chauve, quoi, un mec chauve. Bah quoi, c'est vrai, c'est un mec chaud. Oui, on commence très bien, oui, on sait. Alors, moi, je vais prendre mon personnage. Voilà. Comme ça, c'est fait. Moi, j'ai envie de commencer léger. T'as qu'à prendre Satan pour commencer léger. Ouais. Mais non, c'est parti. Vous voyez, ça fait même pas une minute de vidéo, c'est bon. Ah non, mais ça va être comme ça tout le long de la vidéo, les gens, vous êtes prévenus. Hein. Vous nous connaissez maintenant, hein. Là bon. C'est pas Vincent, hein. Là c'est parti. Wouh. Oh putain, je vais me faire défoncer, mais bon. Bon, j'ai déjà... Jean. Ah bah il peut même pas esquiver, il peut même pas se téléporter. Il est vraiment pourri, monsieur Satan. Mais il a des attaques stylées. Regarde comment je suis viril. Et c'est moi où il est soufflé. Il est soufflé au bout d'un moment. Bah oui, c'est normal. Monsieur Satan. Non. Il est pas mort, hein, je précise, il n'est pas mort. Il a reçu le truc le plus dangereux de l'univers, il est pas mort. Attends, fais voir. Le sauveur est arrivé. Oui, c'est ça. Non, ça, ça... Il t'a fait un coup de genou. What the fuck? C'est quoi ça? C'est quoi ce personnage? C'est n'importe quoi. Premièrement, il est injouable. Par contre, il est hyper rapide. Bon, ça me fait rire. Par contre, ils ont fait quand même une team blague de... du jeu d'avoir Monsieur Satan en maître quand même. Wouhou! Avoir Monsieur Satan en maître, quoi, c'est sûr. Oui, avoir Monsieur Satan en maître, je trouve ça n'importe quoi. Je l'ai obligé à l'avoir en maître. Voilà. Alors que je voulais quelqu'un d'autre, je voulais Vegeta. Voilà. Donc déjà c'est terminé, premier combat terminé. Oui, aujourd'hui on fera que du Dragon Ball. Voilà, c'est juste pour le plaisir. Oui, peut-être si on a le temps on fera une autre vidéo à côté. Mais... Ouais, une petite autre vidéo, voilà, à côté. Parce que savoir qu'il peut chez moi. Voilà, tant qu'à faire et j'ai remporté tout le matos. Ouais. Alors... On va faire du putain de contenu. Son Goku, j'étais... Ouais, mais non... Hésitation d'un homme. La différence quoi, entre Broly et Son Goku petit. Enfin, Bonjour, je suis Son Goku. Salut, je suis Broly. Mais comment monsieur d'abord, ya. Hashtag Astérix. Hashtag joueur du grenier. C'est ça. Hashtag meilleur personnage du monde, Trunks GT. Qui en soit, d'après la constatation de Monsieur Cuba, serait gay. Hein. Ouais, et pédophile. Plus pédophile. Moi, désolé. Je prends du présent. Pour aller avec deux gamins dans des hôtels, tout seul, sans surveillance, désolé. Mais c'est pas un gamin, Goku. Non, il est redevenu enfant. Ouais, bah oui. Bah justement, il peut en profiter. Eh hey. Oui, enfin bon, Trunks, profiter de son Goku. Ouais, enfin, remarque, non, il serait dû monter la gueule. Oui, voilà. Oh non, merde, t'étais pas trop. Mais non, mais non! Youlou! Boum! Ouais, non, je suis plus là. D'accord. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais moi je veux faire le. Genre, je t'ai enlevé moins de vie alors que je t'ai même plus. Wouhou! Regardez-moi ces petits popotins. Allez.
Oh, tu veux... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh yeah. Il a défoncé le sol. Méchant, tu as cassé notre sol. Bon, il serait pas tout seul. Il serait pas tout seul, mais c'est pas grave. J'en ai rien à foutre. Juste avant la fin. Wouh. Voilà, parce que mon Super Saiyan était presque terminé, alors quoi qu'à faire. Voilà. Bah moi alors. Oh fuck. Dégage. J'ai plus... Dégage, j'ai plus d'endurance pour le moment. Tu pars. T'as plus de quoi? J'ai plus d'endurance. Oui, oui, ça fait chelou. Surtout surtout vu les propos que j'ai tenus face à Trunks que j'étais au début. Voilà. Genre les petits qui font ralentir. Oui, bah oui, bon. À moi! Ah non. Ouais, meurs! Oh là 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 là. Bon bah les gays, vous avez gagné votre partie. Hein. Voilà, c'est votre, c'est une voilà. Sponsorisée par les alors, associations françaises de gays. Alors je précise, je n'ai rien contre les gays. Même je suis plutôt pour le mariage gay. Moi aussi déjà. Oui, tous ceux qui sont contre le mariage gay, c'est bon. Je sais, je vais me faire fusiller dans les commentaires. Et alors. Vive les gays. Voilà, merci. Bon là il y a tous les commentaires, tout le monde qui vont croire que je suis gay. Mais c'est pas alors moi je suis pour toutes les formes d'amour que ce soit. Hétéro, homo et même inceste. Ouais, je vais me faire fusiller là vraiment. Bon, on va arrêter de parler de ça. Vive Thomas KH2. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils connaissent le mec. La phrase qui ne veut rien dire. Seuls les vrais connaissent. Bah, papa, ça ne veut rien dire. vous voyez, c'est déjà parti en couille, c'est bon. Thomas, président. C'est gratuit. Non, moi je veux le joueur du grenier, président. Attends, est-ce ce mec, joueur du grenier, c'est bon. Mais attends, il veut mettre Antoine Premier ministre. Et Squeezie, ministre de la culture. Usu aux finances. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? N'a pas. Non, je sais pas. Oh, Guignou. Oh, je veux mettre un... Non, mais t'y crois pas, mais il est cheaté. Je vais mettre un personnage bien moisi. Son Goku. Ouais. Mais il garde la voix de Ginyu, hein. C'est l'incohérence d'un jeu, peut-être. Oui, je veux me faire comme Cuba, vous voyez. Allez, c'est parti. Alors. Genre, il a le Kaioken lui aussi. Ouais. Ah oui, parce qu'il a fait un entraînement chez Kaio. Justement parce qu'il s'est fait tuer par les Saiyans, résultat, bah, il a fait un entraînement chez Kaio. D'ailleurs, ma plus grande question quand même, c'est pourquoi Krillin il a le Kaioken alors qu'il n'a pas fait d'entraînement chez Kaio. Oh, par contre, attends, je me suis pris le fil dans le pied. Oh. Je vais t'achever, moi, je te dis. Regarde, je suis tellement stylé. Wouhou. D'accord, j'ai ma barre qui recharge tout seul. C'est normal, t'es un humain. Oh, mais c'est trop swag, ça. C'est du loup. C'était nul. Bah, moi, je dis Kaioken. Bah moi je dis super Kamehameha. Putain, j'aime pas Guignou. Ah. Alors qu'il disait qu'il... Par contre il a une technique swag. Allez. Pourtant bon, dans le mode histoire je l'aime pas moi. C'est pas moi qui... Bon bah vas-y je te laisse faire. Non. Bah de toute façon non, ils savent... Toutes les personnes savent, si tu veux, que Dragon Ball Xenoverse revisite le jeu. Vas-y. Amuse-toi. Parce que... Amuse-toi. Pourquoi tu veux que je t'attaque? Oh bah vas-y. J'espère que je vais pas me rater, par contre, sur ce coup-là. Avec Guignou. Ah non. 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 Je sais ce qu'il veut faire. Mais non, tu m'auras pas comme ça. Non. Non. Ouais. Oh, quoique t'as plus de vie que moi, donc de toute manière. Non, j'ai plus de vie en fait. Tu rigoles. Ah bah non, oui c'est vrai, maintenant je reprends ta barre de vie. Mais c'est nul. Kaioken.
D'ailleurs, c'est pas logique, pourquoi je garde des attaques de Ginyu? Enfin, si, tu me diras si c'est logique. Bah si, c'est logique, voyons. Mais toi, tu peux encore faire l'échange de corps ou pas? Moi, non. Toi, tu peux. Bah là, c'est pas logique, par contre. Bah si. Ouais, enfin, non, c'est pas logique, mais... On se comprend. Voilà. Putain, mais je peux même pas le faire. Ah bah non, peut-être endurance à fond. Ah, attaque-lui dès le début. Ah oui, t'as déjà presque plus de vie quand même. Pourquoi j'ai pas gardé Ginyu en fait? En fait, je suis plus efficace avec Ginyu qu'avec Yamcha. Meurs! Oh putain! Non! Oh, ouais. Je vais réussir à te tuer comme ça! Non! Oh non! La victoire d'un homme. Bon, la prochaine fois je garderai Ginyu, hein. Je prends pas Yamcha parce que Yamcha c'est tellement une daube. Désolé pour les fans de Yamcha, mais non. Il y a des fans de Yamcha. Oui, il y a des fans de Yamcha, t'y crois pas? Peut-être, qui sait. Enfin, moi j'aime bien tous les persos. Donc, moi aussi. Même Trunk. Oh, c'est troll. C'est n'importe quoi. Désolé, c'est gratuit. Je vais prendre qui? Oui, j'ai pas encore débloqué les deux autres personnages parce que tout simplement que j'avais plus envie de jouer en fait. Oui, parce que. Alors il se plaint de plus avoir de défis. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai plus de défis donc c'est plus drôle en fait. C'est plus très drôle. Quand vous avez un niveau 85, un niveau 80, un niveau 51, bon, je suis en train de remonter un petit bout. Ouais, il est faudra le montrer. Il est tellement mignon. Faudra le montrer. Il est tellement swag. Vraiment. Vraiment, il est swaggy. Je vais prendre Mira. Personnage du DLC 2. Alors. Oui, je braille. Oh, oh, prends Towa. J'ai jamais joué donc. Bah, moi j'ai quasiment pas joué Mira en fait. Même j'aime pas trop Mira. À jouer. Mira versus Towa. On est amis, on va se fight. Le cyborg se rebelle contre sa créatrice. Tu m'as enfanté. C'est pas un spoil. Mais... Non, c'est pas un spoil parce que tout simplement que c'est écrit. Hein. Puisque c'est jamais dit... Ça, c'est jamais dit en fait dans la série. Échange de position. What the fuck. Ça sert à quoi, sérieux? Ce sanglante. Oh, le point du fantôme, magnifiquement placé. Là, je l'ai pas bien placé. Je l'ai même pas placé du tout, en fait. Oh, libéré. Bakankos Apogalik. Libérer libération d'énergie, c'est... Ah ouais, c'est une charge d'énergie, mais elle est nulle, en fait. Elle va de allure, la machine. Bah ça... Par contre, ouais, elle a une de ses barres de... d'énergie. De qui? Ouais. Ouais. De qui, ouais, c'est vrai. Je cherchais le mot, en fait. Bombe lourde. Meurs. Le fils de la créatrice. Tu te donnes des pouvoirs magiques, tu peux pas faire ça. Bah, pour la peine... Je sais pas à quoi ça sert. Tu... What the fuck? Bah, j'envoie une boule d'énergie dans l'univers, ça te va? Ah, en fait, ça a failli me tomber sur la gueule. Ça sert à rien, les objets de Towa. Elles sont bien, mais ça sert à rien. Je peux te contrôler si je veux. Ceci est totalement faux, mais c'est pas grave. Oh genre. Le truc tellement bien placé, tu sais. Casse-toi. ouais, ça c'est bien placé.
Meurs. Je m'attendais tellement en plus. Je ne comprends pas en fait. En fait, ça m'envoie une bouboule dans la gueule. Regarde, ça vient dans le. Normalement, peut-être que tu vas la voir. Bah non. Si, tout à l'heure, j'ai cru voir une bouboule. Non. Bah là, non. Ça m'a rien. Une de belles bouboules, mais. Boum. Tu veux que je te présente mes copines? Pop, 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 pop. Hein? C'était quoi? Balle temporelle. J'ai pas compris, mais bon. Pourquoi il est bleu ton machin en fait? Parce que tu l'as infecté avec ton attaque de merde. Makanko Sapogarik. Ouais, je gagne! Je gagne! Oh non! Alors ça c'est nul! Yeah! C'est nul! Bon, ça. Par contre, ce qui est nul, c'est qu'on peut pas configurer le temps et qu'on peut pas changer d'arène. J'aimerais tellement changer d'arène. Oh, ce serait tellement bon. Juste changer d'arène. Même le temps, au final, ça me dérangerait mais pas. Mais il me semble que si, mais je sais plus où. Enfin, oh, qu'on peut faire un truc un contre un, mais je sais plus où c'est. Bah, c'est à l'autre truc, mais si tu veux, c'est en ligne et le combat local il fonctionne pas en fait. Ça fonctionne que contre l'IA. Ça fonctionne comme, que contre l'ordi. C'est nul. Ou pas, peut-être. Pourquoi t'as fait B? Attendez, on va aller voir. On va aller voir, de toute façon, ça va pas prendre tant de temps que ça. Donc voilà. Pendant ce temps-là, on raconte des conneries. Tiens, bah, non, regardez, je vais prendre mon petit bout. Tiens, voilà. Oh, je peux plus faire de blagues sur le jambon. Bah, justement, tu vas pouvoir avec le petit bout. Alors, on va. Alors, prendre... je précise que c'est sorti complètement au hasard, hein, le truc alors, du jambon. Hein. Alors, on va prendre le personnage fast-food. Vous avez vu ce swag? Regardez. En plus, il y a la ceinture pour cravacher. La barbe! Tout est dans la barbe! C'est ça. J'en ai marre! Alors, ça, c'est typique du Cuba, ça. Il crée un truc, mais il en a marre. Il en a marre de ce what the fuckiste. Voilà. Regardez, alors, je vais vous montrer déjà. Ah! Un homme barbu à terre! Voilà. La pose de Freezer. Ah oui, la pose de Freezer. Non mais, regardez bien ses mains. Non mais... T'as un problème ou quoi là? C'est ça, non mais c'est n'importe quoi. Il est tellement petit et gros. C'est bon ou ça lag? Je sais pas pourquoi là... What the... What? D'ailleurs c'est à gauche. Oui, c'est le... Combat hors ligne. Bon, j'espère que ça a fonctionné à deux. Normalement, il n'y a aucun problème. Normalement. Normalement. Oui. On adore se manger. Un contre un. Vas-y, choisis. Je vais voir si je peux choisir. Oui, je peux choisir. Oui, mais je sais pas si ça va le choisir pour toi. Ah, ouais. Vas-y, on va essayer. Je crois que j'ai déjà fait la dernière fois. Je crois qu'on l'avait déjà fait aussi la dernière fois. Voilà. Bonjour. Bonjour. La crème messieurs d'abord, il y a. On va voir ça tout le long de la vidéo. Oh non, mais non, mais non, mais c'est nul. Mais c'est nul. Bon, tant pis. Bon bah on va retourner à. À nos petits combats. La tristesse. Remboursé, moi je dis remboursé. C'est ça. Oui, je pleure. Mais pas avant 2017. Alors... Randolph. Harry. Qu'est-ce qu'il fout là? Attends. Thalès, qu'est-ce qu'il fout là? C'est Thalès, ça? C'est pas Thalès. C'est Thalès. J'utilise des glis. Ah non, c'est Tenny mais qui s'est transformé en Thalès. Ok. La tenue de Thalès. Non mais. J'en ai marre, je me fais avoir à chaque fois par eux de. Non, Jojo, arrête. Être typique. Ouais, faut oh, voir. Oh, il y a Oscar. Bonjour Oscar. Oscar Rapace. Hashtag Picsou. On aura un let's play sur le. Sur le DuckTales. Mais on sait pas qui en fait. Oh, moi je vais faire un let's play sur la culture.
LOL. Let's play sur les cultures. Oui, aventure. Y a que dans cette chaîne que vous aurez ça. Hein, Let's play sur la culture, aventure suivie. Oh, quoique, si tu fais des genre un let's play sur. Qui veut gagner des millions. Oui, qui veut gagner des millions. Un let's play en plus, hein, t'es de... Mais non, ce serait n'importe quoi. Bah quoi, j'avais bien fait un let's play sur Dioser. Bon, non, c'était un let's play remerciement. On sait pas combien de temps là ça fait, mais bon, on s'en fout. Hein. De sorte, c'est ça. Ah oui, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo ou allez voir directement la fin si vous voulez, parce que nous allons mettre un petit bonus. On s'est fait plaisir sur... hors vidéo, hein, comme là. Voilà. Non mais, quand je t'ai dit d'esquiver, Sangohan, tu peux esquiver, s'il te plaît? Tu peux faire au moins ce que je te dis une fois dans ta vie. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Bonjour. Oh, oups. Un peu d'attaque. C'est bon, j'ai une NAMZ d'activer. C'est inhumain pour un boss. Même pour un seul. D'avoir une attaque comme ça, c'est pas normal. Non, mais je suis un bouc. On a rien à foutre. Et non, je me contente pas de viser dans le trou. Ouais, je l'ai attendu celle-là. Tac. What? Bon, bah... Il a disparu dans le vide intersidéral. Ah, je suis là. Mais attends, mais met trop de temps à charger ça, sans quand même bien. Ouais. Bon, là c'est pas pareil aussi. T'es complètement vulnérable en fait. Ouais, mais non. Mais oui, mais non. Non, non, non. Attends, voilà, c'est bon. Cette attaque est cheatée, j'avoue. Dans le tourbillon de la vie. Bim. Oh bim, comment je t'ai fait valser. Attaque. Aïe. What, tu t'es téléporté devant mon attaque. Non, je me suis pas débordé devant ton attaque, j'ai juste... Non, mais je sais pas, mais si tu veux, l'animation, elle a fait demi-tour, elle est au milieu de l'attaque. D'accord. Oui, et j'ai pas trop compris, en fait. Je suis sûr de ce que j'ai vu. Bon, ouais. On parle de Cuba, hein, donc c'est pas vraiment possible. Hein. Tais-toi. Vous avez vu comment il se fout de moi? Enfin, je me suis fou de lui dans les commentaires. Voilà, tiens, respecte-moi. Il se venge. Bon, c'est plutôt moi qui me venge dans les vidéos, mais bon. Prends-toi la puissance de mon bidon. Merde, raté. De ma barbe. Et de ma barbe. Ah non. Ah non. Putain, là. Tu es mort. Non, j'ai vu le temps, si tu veux. Désolé d'avoir fait ça. D'avoir répété l'attaque une deuxième fois, mais il y avait presque plus de temps. Donc... Prends-toi, machin. Prends-toi, tortue géniale dans la face. Non, n'empêche, dommage qu'il n'y ait pas tortue géniale de jouable. T'imagines, tortue géniale en maître. Parce que dans Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, c'est n'importe quoi, on peut avoir merde, tortue géniale en puissance maximale. Vous voyez, au moment où à la montagne de feu dans Dragon Ball original, où à la montagne de feu il détruit toute la montagne du feu avec d'énormes muscles bien huileuses et n'importe quoi. J'en ai marre. Ça y est, c'est bon. Imaginez Sangoten à Broly. En gros, Sangoten qui passerait à Broly. C'était... En gros, voilà, c'est un Broly. Ah. Bon, bravo. Voilà. Oh, il y a le Shifumi. Au pire, on fera une pause, c'est tout. Au pire, on vous fera une petite ellipse parce que. Oui, voilà. Non, Sangoku. Sangoku, oui. Alors, attends. Mais non, on prend pas point. Ah, voilà. Mais non, elle a le parapapa dansant, c'est triché. Bah, juste.
Tricher. Mais justement, je vais faire par un enfant. Tricher, c'est mon deuxième prénom. Ah, hashtag bruit de chien. Hashtag waf waf. Vous savez quoi, je pense qu'on va faire pause et puis on va faire une ellipse. Ouais, on va faire pause. Ellipse. Salut les gens, ellipse. Et nous revoilà. Alors, on va... Voilà, c'est ça. Bâton magique. Mais non, laisse-moi te toucher avec le bâton. C'est l'histoire du bâton et de la carotte. Tu connais? Pas du tout. Écoute, tu m'apprends quelque chose. Alors, alors ceux qui connaissent, expliquez-lui dans les commentaires, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Pan, elle le fait toute seule. De quoi? Elle le fait toute seule? Avec un bâton? Avec le bâton de grand père Son Goku, bah je m'amuse. C'est n'importe quoi. Ça y est, vous m'avez perdu. Mais justement, c'est bien. Dis-tu qu'il faut qu'il continue à rester comme ça. La nouvelle? La nouvelle. Ah, je sais pas comment elle s'appelle, là, de Londres, ils viennent d'avoir leur petit bébé. Sérieux? Sérieux, ils sont en train de faire voir la télé. Eh ben écoutez, cher peuple d'internet, le fils de Londres est né. Non, c'est une fille, je crois. Une fille, ah bon, la fille de Londres est née. Bon, bah on comprend ça au montage, hein. Non, mais non, on garde. Vous aurez ça, les gars, Vous aurez ma mère qui vous annonce l'arrivée de la petite princesse de Londres. Eh, mais moi, je veux réussir à te faire un papa dansant, oui. Mais c'est n'importe quoi, j'en ai marre de cette attaque. My name is Son Goku. Genre, bon, elle est super Kamehameha. Bah oui. Est-ce que... Attends, arrête de m'attaquer deux secondes. Arrête de m'attaquer, oui. Je vais rien te faire. Est-ce que c'est sérieux, ça? Oui. Je te jure. L'explosion féminine. Ah oui, c'est son attaque d'évasion. Oh putain. Qu'est-ce que tu fais en fait là? Bah je gagne de l'expérience, pourquoi? Je gagne du ki. Ouais, j'ai pas compris. Ouais, pourquoi l'écran il devient bleu? Je sais pas. L'écran est devenu bleu, les amis. Ça m'arrive aussi des fois ce bug là. Après explosion féminine, l'explosion masculine. Et bah joli l'esquive que j'ai faite. Je sais pas pourquoi il a. Pan a fait une explosion féminine. Mais attends! Ouais, mais je suis trop loin. C'est l'attaque, ça sert à rien, mais c'est fun. Si tu peux atteindre. What the... T'as fait quoi? Fan de tir. Ce que tu viens de débloquer en plus. Ouais, c'est vrai. Mais non. Voilà! Bâton magique! Grandis! Putain, n'importe quoi! Bon, ça va être le dernier combat, Jojo. Oh, puis on va. Putain, non! Ouais! Gagne! Je déteste ce temps! Je déteste ce temps! M'en fous, j'allais gagner. Voilà! Comment alors! Ça, t'allais gagner? Bah oui, j'allais gagner. Tout le monde le sait. Dis pas de conneries. Ouais. Dites dans les commentaires qui allait gagner. Vraiment. Vous regardez le combat et vous nous dites qui allait gagner. Quoi? Oui, Yamcha, je sais que t'es le dernier maître. Attends. Ah oui, non, c'est vrai. Oui, je sais, Yamcha, que t'es le dernier maître que j'ai pas fait, mais t'attends juste que je finisse Pan, s'il te plaît. Ouais, surtout qu'après attends, qu'on ait parlé de bâton. Reste comme ça. Ça, toi, fais ton outro, moi, je fais quelque chose pendant ce temps-là. Non, on refait pas la même. Si. Non. Si. Non, Jojo, fais autre chose. Fais autre chose, s'il te plaît. Bon, bah... Wouhou! Ouais! Il y a tellement de sous avec ce perso. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Oui, ceci conclut cette vidéo. Oui, parfaitement. Voilà. Non, Jojo, mais... On fait tout ce coup pour la fin. On fait coucou à Yamcha. Coucou Yamcha. Oh, je vais aller aux toilettes. Bon, voilà. T'as pas le personnage pervers? Enfin, non, je crois pas. Attends.
Voilà. Donc ceci conclut cette vidéo, les amis. Moi, je vous fais plein de bisous et je sais pas si Jojo vous en fait de toute façon. Mais on fait toujours plein de bisous. Voilà, Jojo vous fait plein de bisous aussi. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars. Oui.